Cran, voilà. Donc c'est une petite ville de 4700 habitants dans le sud de Mayenne. Donc pour 4700 habitants, on a une grosse cuisine centrale, mais ça s'explique par le fait qu'elle a une vocation intercommunale, tout en étant municipale. Elle sert donc 5 communes environnantes, plus un collège qui représente 300 couverts. Donc depuis la rentrée 2009, suite à une réflexion menée conjointement avec les élus, suite aussi à une réunion interbio et à une réflexion avec Rémi Gachenot de l'interbio, on a introduit le bio dans la restauration scolaire. Et à l'époque, on a choisi de ne pas faire de l'événementiel, puisque c'est vrai que nous, dans le passé, on a fait de l'événementiel qui venait de Toulouse, par exemple. Donc faire du bio qui vient de Toulouse quand on est en Mayenne, on ne comprend pas très bien. Et on a donc choisi de faire quelque chose de très régulier qui s'écoule toute l'année. Donc nos atouts, c'est que la cuisine venait d'être faite. Et à l'époque, on avait, sans y avoir pensé pour le bio, choisi de garder notre légumerie. Parce qu'en restauration collective, c'est souvent un problème, c'est que maintenant, avec les services, enfin, à l'époque, les services vétérinaires avaient tendance à dire « La légumerie, si vous pouviez la sous-traiter ou la mettre ailleurs, ce serait pas mal. » Donc nous, on avait fait le choix de la garder. On avait aussi une grande chance, qu'on avait un CAT à 10 km de Cran, qui fait que du maraîchage bio. Et on a sur la Mayenne quelques producteurs bio qui étaient disponibles, puisque nous étions les pionniers, on était, je pense, dans les premiers à se lancer. Donc eux, ils étaient demandeurs. On avait aussi une équipe motivée. Et il y a aussi un autre atout, c'est que mon poste de directeur, en fait, je suis aussi cuisinier. C'est-à-dire que moi, tous les matins, je passe au moins 2 heures en cuisine. C'est beaucoup plus facile quand vous êtes directeur de restauration et que vous participez aux tâches de la cuisine, d'expliquer à votre équipe que ça serait pas mal qu'on y passe. Et puis, quelque part, vous assumez un peu, parce que c'est vrai que ça réorganise complètement une cuisine. Juste pour la petite histoire, la première fois qu'on a fait des carottes, donc nous, c'est 100 kilos de carottes, qu'on a commandé, elles sont arrivées avec les fans. Donc quand le matin vous voyez vos carottes et que vous avez 100 kilos de carottes à éplucher parce qu'il y a les fans qui sont restés dessus, les collègues de la légumerie vous regardent avec des yeux. Donc là, on s'y met, hein, et on prend un couteau et puis on enlève les fans avant d'éplucher. Donc comment on a fait? Donc on a choisi un jour. En fait, on a beaucoup travaillé, nous, avec les producteurs, avec nos fournisseurs. On s'est plus ou moins adapté à ce qu'eux, ils pouvaient. Et donc le boulanger en particulier, lui, le vendredi, il pouvait nous faire du pain bio. Tous les autres jours, il était en surcharge, ou alors ça ne l'arrangeait pas, donc on a choisi le vendredi. Donc on fait beaucoup de légumes, hein, 3 semaines sur 4, toujours pour cette histoire de CAT. Alors 3 semaines sur 4 sont proposées aux élèves des légumes bio, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Et donc en général, la troisième semaine, on tape sur du fromage, puisqu'on a un super fromage en Mayenne, un Gouda, qui est excellent. On n'a pas encore tapé dans les autres, mais on a de bons produits. Alors les impacts sur l'équipe de cuisine. On a redécouvert des produits. Hein, le rutabaga, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas épluché un rutabaga en cuisine, parce que bon, quand vous prenez une fiche technique type, rutabaga, on ne connaît pas. Alors que là, mon maraîchage bio, il me dit, un jour j'avais besoin de navets, il me dit, j'ai pas de navets, mais par contre j'ai du ruta. Ah, j'ai dit, oui, c'est vrai que c'est pas idiot. Donc on a retravaillé le rutabaga. On a essayé la courge spaghetti, des choses très particulières. Et le gros changement, c'est dans le fonctionnement. C'est-à-dire que, comme tout bon cuisinier et gestionnaire, moi je faisais mes menus, et puis une semaine à l'avance, hop, je faisais mes commandes. Impeccable. Mon fournisseur en conventionnel, il avait toujours ce que je voulais, en quantité, super. Seulement là, le maraîchage bio, il m'a dit, moi je veux bien, mais ça serait bien que je sache au moins plusieurs mois à l'avance, qu'est-ce que vous allez consommer, pour que je mette en culture, suivant vos besoins. Donc maintenant, on se fait une petite réunion, ça dure 1 heure, tous les 6 mois, et on fait tout le programme des 6 mois à venir. Donc il sait exactement quand est-ce qu'on va manger des radis au mois de juin, il va pouvoir les mettre en culture. C'est lui, après, qui fait son compte à rebours, il sait quand est-ce qu'il faut lancer. Donc on ne s'est pas arrêté au bio, c'est clair. On a réfléchi un peu sur nos façons de travailler. On a par exemple sur le collège, on a 300 couverts, et on transporte tout ce qui est en entrée individuelle en barquette plastique. Un jour, j'ai un collègue qui m'a regardé, il m'a dit « arrête ». Il m'a dit, on est en train de faire du bio, on fait de la pub, et on jette 300 barquettes plastiques par jour à la poubelle. Bon, effectivement. Donc la réflexion est en cours, comment on peut faire pour ne plus utiliser de barquettes plastiques sans pour autant passer en vaisselle. Donc on a un projet, il devrait sortir dans l'année, on va mettre en place un système de buffet froid. On a aussi... C'est-à-dire pour le buffet froid. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves prendront leur assiette en arrivant, assiette et plateau, ils choisiront leur dessert. Ils se dirigeront directement vers le buffet froid pour se servir dans leur assiette.
ce qui les oblige aussi à faire pas mal à la maison, à vider son assiette. Enfin bon, je vous espère que c'est comme ça chez eux. Et après, avec leur assiette, ils iront au buffet, au self chaud, chercher leur plat chaud. Voilà. Donc là, ça veut dire, nous, c'est un collège privé, donc il ne dépend pas de nous. Donc ça veut dire qu'il faut aussi communiquer avec la direction du collège, leur expliquer pourquoi on fait ça et où on va. Mais c'est en cours et logiquement, ça devrait avancer. Je pense qu'avant Noël, on devrait mettre en place, ou au moins faire un essai. On a aussi décidé de respecter la saisonnalité. Donc, au grand dam d'une de mes collègues qui est en préparation froide, puisqu'on ne met ni tomates ni concombres de la Toussaint jusqu'à Pâques. Et on continue à servir 3 crudités par semaine minimum. Donc, réflexion sur le plastique jetable, sur le papier d'essuyage, parce qu'en cuisine, on aime bien que les inox soient magnifiques. Donc, il faut beaucoup de papier pour essuyer, papier qui va à la poubelle. Donc là aussi, on est en réflexion avec les services vétérinaires. Comment on peut supprimer le papier, repasser au torchon, à quelles conditions? Et on a aussi un projet de composteur. Donc là aussi, en relation avec les services de ramassage, ordures ménagères et direction vétérinaire. Alors, vous avez entendu Richard Rizzo avant vous. Cette question du coût, comment vous l'avez approchée? Comment vous l'avez abordée? Parce que, est-ce que vous avez eu un budget spécifique qui vous a été alloué pour amortir les surcoûts? Comment ça s'est passé concrètement? Donc, nous, en Sud-Mayette, c'est un milieu très rural. J'ai eu l'appui, mais alors complet, de la municipalité. On a dit, on essaye, on y va. À l'époque, il n'a quasiment pas été question de budget. Bon, il y a des limites, mais... Est-ce que c'était on essaye sans impacter le coût payé par les familles? C'était ça le... De toute façon, ça c'était très clair, on n'impacte pas le coût famille. C'est la ville de Cran qui assume le déficit complémentaire dû au bio. Ça a été le choix dès le début. Donc on y est allé, mais très doucement. Il y a aussi des produits qu'on s'est interdits, tels que la viande pour l'instant, puisque là, le surcoût est énorme. Donc comme on savait qu'on allait taper beaucoup dans le fruit et légumes, en plus qu'ils venaient d'un CAT, donc l'avantage du CAT, c'est que quand même ils ont des prix très attractifs. Donc ça va. On s'est lancé comme ça. Donc c'est vrai qu'au début, on ne s'est pas engagé sur du bio toutes les semaines. On a dit on va essayer. Et puis, à force de dire on va en faire, on a écouté tout ce qui se passait autour de nous. On s'est tourné un peu vers le CIVAM 53 aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a trouvé des producteurs locaux qui pouvaient répondre à nos besoins. D'accord. Est-ce que vous évaluez le surcoût précisément? Oui. Pour les 113 000 repas année, le coût alimentaire il est de 161 000 euros. Ça, ce sont les chiffres 2010. Donc on est en moyenne à 1,42€ le repas. Pour le bio, bon nous on appelait ça le surcoût, il est de 2 700€ l'année pour les 13 000 repas concernés, puisqu'en fait on a recalculé le nombre de repas servis avec du bio. Donc on a augmenté notre coût annuel de 1,7% pour arriver à servir 11% de repas avec du bio. Donc après vous avez le détail de tous les coûts unitaires. D'accord. Et le projet pour 2012, c'est de doubler la part du surcoût. Donc, on passe entre 5 et 6 000 euros. Et là, du coup, on a budgétisé. D'accord. Alors là, on est à 1,7% du coût annuel. Si j'ai les pourcentages du Grenelle Environnement en tête, est-ce que vous avez calculé, par contre, parce que les pourcentages ne sont pas établis en fonction du coût. Mais ce que je veux dire, quelle est la part aujourd'hui du bio dans vos menus? Vous avez une idée? En fait, le problème, c'est que c'est les 20% qui sont annoncés au Grenelle Environnement. On ne sait pas trop sur quoi c'est. On ne sait pas si c'est sur le coût, si c'est sur la quantité de plats servis. Donc, voilà. Sur le volume, oui, on ne sait pas. Alors, dans quelle mesure votre municipalité, vos élus sont prêts à vous suivre? Comment vous sentez la chose? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre un budget supplémentaire pour faire progresser cette part du bio? Ils voient venir? Comment ça se passe? Les relations se passent très bien, donc parce que on va devenir site pilote sur les filières courtes en Mayenne. C'est un projet qui est arrivé depuis la rentrée à la demande du CIVAM 53. Quand moi j'en ai parlé à mes élus, ils m'ont dit d'accord, mais nous il nous faut des objectifs financiers. Donc on a essayé de chiffrer. C'est comme ça qu'on a chiffré que l'année prochaine, on risque d'être entre 5 et 6 000 euros. Mais pour eux, c'est... Ce qui est finalement relativement modique, vu le nombre de repas que vous servez. Tout à fait. C'est très faible. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'on a réussi, on a la chance d'avoir un CAT. Je pense que sans le CAT, c'est clair, on dépasserait le budget, peut-être qu'on n'arriverait plus à suivre. Est-ce que vous avez essayé de gagner par ailleurs sur des on en parlera, sur les charges fixes, ce genre de choses? Oui, donc les autres, je croyais avoir mis, okay. Les autres pistes sur lesquelles on a travaillé, c'est repas végétarien. Alors ça, c'est quand on a lancé l'affaire,
On s'est dit, où on va? Surtout en Mayenne. Ouh là là. Et en fait, on a trouvé un palliatif génial. C'est que nous, dans le sud de Mayenne, on est à quoi, allez, 40 km de la Bretagne. Et donc, on leur a servi une galette avec que du fromage dedans. Et les enfants ont adoré la galette. Et comme les enfants ont adoré la galette, le relais auprès des parents a été très bon. Et donc maintenant, le repas végétarien, c'est... Ça, donc l'idée, c'est de faire l'économie d'une viande sur voilà. Un repas pour... Ouais. Bon, je crois qu'il en sera question avec l'intervenant suivant. Quel point positif vous mettez en avant sur cette expérience et puis quelles contraintes peut-être cela vous a-t-elle entraîné quoi? Donc les grosses contraintes, c'est s'adapter. C'est se remettre en question. Et, c'est une contrainte ou c'est un atout? Au début, c'est une contrainte. Quand il faut réorganiser tout le travail en cuisine parce que les produits ne sont pas la même qualité, ils ne sont pas les mêmes. La pomme de terre, elle est pas bien ronde quand elle arrive de chez du bio. Hein. Quand vous la passez à l'éplucheuse, il y a du travail derrière. Donc, ça, c'est des. On est plutôt au conventionnel où tout est parfait, impeccable, bien calibré. On passe au bio où les calibres, ils sont moins adaptés. Mais on s'y fait, c'est pas un souci. Donc, ça, c'est vraiment ça la contrainte. Par contre, là aussi, ça devient un avantage, c'est qu'on commence à dire où est-ce qu'on était rendu dans nos métiers de cuisinier? Est-ce qu'on n'était pas rendu à un point où il était grand temps de se remettre en question? Et là, j'en suis certain. Alors, moi, le premier, des fois, j'étais un marchand de poulet ou à l'ouverture de boîte. Donc, voilà. Si dans l'année, il y a des intempéries pour les cultures. Oui, donc c'est là qu'on voit la différence. C'est que quand c'est arrivé l'an passé, ils ont eu un coup de mildiou sur le concombre au mois de juin. Et trois jours à l'avance, ils m'appellent et ils me disent on n'a plus de concombre. Donc là, je me suis tourné vers mon fournisseur normal, conventionnel. Lui, il peut toujours me dépanner en bio, mais là, j'ai vu la différence tarifaire. Ça peut arriver. Mais moi, j'ai aussi une culture sur cran que je mets avec mes agences, c'est que tout peut arriver. C'est pas parce que j'ai prévu du roast beef le vendredi qu'ils vont avoir du roast beef le vendredi. Ça, ils sont habitués à ce qu'il y ait des changements de menu. Il faut, moi, je pense. Oui. Mais parce que vous, à la maison, vous faites que 4 ou 5 repas, vous avez déjà du mal à servir ce que vous avez prévu, nous, on en fait 1000. Donc attendez, c'est quand même autre chose. Un camion qui tombe en panne, il tombe en panne. Après, il faut bien que je m'adapte. Et ce retour à quelque chose qui est plus en adéquation avec la saisonnalité, là aussi, ça redonne du sens à votre... Oui. Ça veut dire qu'on a recherché. La betterave crue, ça fait des années que la betterave, on la connaît en Mayenne. On la mangeait plus du tout crue, on la mangeait que cuite. Un petit mot sur l'accompagnement pour les enfants. Quand ils ont vu arriver ces nouveaux plats, ouais. J'imagine, ouais. Une nouvelle façon de faire, vous êtes obligé d'expliquer ou ça s'est fait naturellement? Non, ça s'est fait naturellement, je pense. Nous, dès la maternelle, quand on a un enfant qui arrive en maternelle, en scolaire, malheureusement, souvent, il ne sait pas manger. Donc, on lui fait découvrir plein de nouveaux produits. Donc, il a compris qu'à la cantine, il allait apprendre à découvrir plein de nouveaux produits. Donc, il est habitué, ça fait partie des choses.